Bonjour et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve sur Oxygen Not Included. Alors, cycle 12, comme on s'était laissé la dernière fois, le jeu était sur pause. Dès qu'on reprend une partie, le jeu est sur pause, donc il y a souvent plein d'alarmes un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est pas trop grave. Et on reprend là où on s'était arrêté. Et je crois que la priorité là pour cet épisode, ça va être... Petit ralentissement, les recherches sont complètes. Alors on va regarder la recherche. Énergie, donc ça c'est pas mal d'avoir fait ça. Il va falloir que je fasse rapidement un système d'énergie un peu plus complet. On a fait purificateur d'air. Ça c'est mécanique, ça c'est bien. Filtre à gaz. Il va falloir que je fasse ça rapidement. On va faire ça. Système d'aération. L'agriculture, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le moment. Pas de souci. Électrolyseur, oui, ça, je vais en avoir besoin rapidement. Ça va être un peu le poumon de ma base, ce qui va me fournir vraiment beaucoup, beaucoup d'oxygène. On va ramasser un peu tout ce qui traîne là. C'est pas très propre. Faudra surtout que je m'occupe de l'eau. Là, j'ai plutôt un réservoir. Un petit. Faudrait que j'arrive à centraliser tout ça ici. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Comment je peux faire ? Alors ça m'embête un peu d'enterrer la luciole. J'aimerais bien la récupérer. On va prioriser un peu ça. On va récupérer toute l'algue qui est là. Ça, faut surtout pas le perdre. On va récupérer également le cuivre. Tout ça aussi, tout ça aussi, tout ça, tout ça. Voilà, et tout ça. Ça c'est quoi? Fertilisant, je n'ai pas vraiment besoin. Au niveau de l'oxygène, c'est un tout petit peu limite, ouais. On va en faire un deuxième, je pense. On va en faire un deuxième. Qu'on va mettre par là. Faut que je fasse attention à mes batteries, à la chaleur. On va le mettre sur un système à part. Si je le mets là. Alors j'ai plus assez de métal, évidemment. D'où l'intérêt de récupérer tout ce qui est là. Il faut que je fasse attention au métal. Alors là j'ai de l'or, là j'ai du fer. Le cuivre, si le cuivre j'en ai plein là-haut. Alors j'ai cherché ça aussi. Va par contre falloir que je fasse attention à où je diffuse mon oxygène. Donc jusque là ça va. Mettre un sas dans ce sens-là. Alors, ils en sont où? Ils peuvent plus creuser. Ah, ils peuvent plus remonter, surtout. Pardon. Priorité 8. Voilà, on fait les échelles. Alors, la luciole, du coup, est repassée du bon côté. Ça, ça serait bien de la garder de ce côté-là. Allez. Ouais, voilà, évidemment. C'est pissé dessus. Bravo. On ramasse tout ça rapidement, donc ça pourrisse toute la base. Bon, ils vont pas aimer, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors là, ce réservoir-là est un peu petit aussi, je pense, il faudra l'agrandir, mais bon, pour l'instant,
C'est pas urgent. J'ai récupéré du cuivre, oui. Donc, il m'a fait la batterie. On peut faire le générateur ici. Et on branche tout ça. Voilà. Alors, quitte à la désactiver, hein, si vraiment j'en ai pas besoin. Mais pour le moment, j'essaie de garder ça. Niveau bouffe, on est un peu limite. Bon, ça pousse. 99, si, voilà, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Barre de mèche. Alors, étant donné qu'on récupère beaucoup de poux, hein, c'est le nom des graines qui sont mangeables sur le Milwood, du coup on récupère aussi des fois des graines, donc ça permet de finir les plantations. Du coup, ce hachoir va plus être vraiment intéressant parce qu'on gagne pas vraiment en qualité, on reste à moins 2 en qualité, et le poux. Si on est à moins 3, bon. On gagne un tout petit peu en qualité, mais c'est pas trop gênant. Si on regarde les stats, est-ce que j'ai quelque part? Oui, attente de qualité alimentaire, 3, moins 3, pardon. Lui, il est à moins 2. Ouais. Camille. Camille. Voilà. Lui, enfin elle plutôt, stat. Alors elle attend du moins 1, donc elle attend un peu de meilleure qualité. Alors c'est peut-être tu as ça. Non, ils sont crasseux, donc il va falloir aussi faire également rapidement le système de douche. Alors on va s'occuper de tout ça, on va s'occuper de l'eau, je pense que c'est vraiment, vraiment la priorité. Ça, on va le déraciner. On va creuser. Ça, on va creuser ça aussi. Et on va se faire un grand bassin. Si j'y arrive, alors il va falloir fermer toute cette base. C'est peut-être un peu grand, j'ai peut-être vu un peu grand, mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Après, on déplacera bien sûr la pompe, hein, parce que si toute l'eau tombe, j'aurai plus accès. Mais il y a aussi tout ça qu'il faut que je descende. C'est pour ça que j'ai vu peut-être un peu grand, peut-être même agrandir un peu. Voilà. Rapidement faire tout ça. Niveau calories, ça remonte, il n'y a pas de souci. Ça c'est quoi? De la boue. Ça c'est ce que me fait le petit crabe là. Il me fait du charbon. Niveau bouffe. Alors du coup, on construit ça. Allez, on se dépêche. On va déjà prévoir une pompe. Alors là, je mets une échelle pour pouvoir descendre dans l'eau et pouvoir finir de creuser tout ça. Il faut toujours une échelle dans la cuve à eau, on ne sait jamais s'il y a besoin d'aller récupérer des choses. Au niveau oxygène, on est nickel, on est même très très bien. J'ai toujours 12 tonnes d'algues, donc je suis large large. On peut tenir là-dessus, je pense, encore bien quelques heures, sans problème. On va vraiment s'occuper de ça.
On va même prévoir déjà l'espace douche et toilette. Alors, on va essayer de se garder un espace. Donc, je pense que ce serait pas mal de faire ça par là. On va faire le purificateur d'air. Enlever les mauvaises odeurs. Il y en avait un à mettre ici aussi d'ailleurs. Il faut mettre un lavabo. C'est dans soin. On va mettre. Je ne sais plus où c'est. Plomberie, toilette. Je pense que 4 doivent suffire. Il va falloir creuser un peu plus loin là. Pour mettre les douches. Voilà. Alors là, on en est où? Là, faut que ça creuse vite, là. Pourtant, je suis en priorité 7. J'ai quoi d'autre en priorité 7? Rien, si, ça, 8, 8. Mais ça, c'est les recherches. Alors du coup, les recherches. On va faire le filtre à gaz. Disjoncteur liquide. Ça, on n'a pas vraiment besoin. Distillateur d'algues. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment besoin non plus. Purificateur, ça peut attendre. Disjoncteur de gaz, ça peut attendre. On va attaquer. On va attaquer un peu la déco. Voilà, ça ferait des recherches. J'ai 4 duplicants. Peut-être va falloir en prendre un cinquième assez rapidement. Ah, mais oui. Voilà. Alors, quand ils font pas quelque chose qui est en haute priorité. On n'a pas vraiment d'alerte, mais s'ils le font pas, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème. Et en l'occurrence, le problème ici, c'est que ils peuvent pas accéder, tout simplement. Donc on va démolir, priorité 8, on va mettre démolir ces deux-là, et on va se prévoir un sas. Alors évidemment, j'ai plus de minerais, donc on va remettre priorité 7 là-dessus. Et il faut que je récupère du minerai, donc on va mettre une priorité 8 à creuser tout ça. Tout ça. Et même la vase qui va avec. L'algue, pardon. Pas de la vase. Voilà. On va aller récupérer les minerais qui nous manquent. Et on va essayer de faire le plein en même temps. Ce serait pas mal. Voilà, alors ça fait beaucoup d'ordre en même temps, mais au moins on récupère ce qu'il faut. Voilà, ça va très très vite hein, le minerai de cuivre, ça monte assez rapidement. Mais on a besoin de tellement. Recherche complète, alors il y a priori il y a une suite. Alors évidemment j'ai la bestiole qui est redescendue. C'est pas grave, on va mettre le sas. On va prioriser 7 aussi et on va laisser ouvert le sas. Oh. Voilà, au pire s'il est du bon côté tout va bien. Bon, au niveau du stockage on est toujours bon. Fertilisant non, graines voilà, toutes les graines organiques non, on a dit l'organique c'est là-bas. Et agriculture, fertilisant, je sais pas si ça pourrit ça le fertilisant ou pas. On va mettre plutôt là. Fertilisant. Tout ce qui est organique là. Voilà. Comme ça, tout est stocké. Ok, c'est la nuit. Alors, on était à regarder un peu qualité pauvre. Qualité horrible. Donc, il y en a un ou deux qui ont besoin vraiment de bien manger. Il va falloir faire aussi là tout ce qui est soin. Je peux faire la table de massage aussi. Ce serait pas mal, je pense.
Bon, on va s'occuper déjà de tout ça. Alors, priorité 7, voilà. Tout ce qui est priorité 8, ils sont en train de le faire. On peut pouvoir rebaisser. Voilà. C'est le cuivre qu'il me fallait. Donc, on passe à autre chose. Je suis déjà à 10 tonnes de cuivre. Mais bon, ça part très très vite. Hein. Alors, les recherches, c'est bon. On passe à la suite. Fertiliseur, réfrigérateur, on s'en fiche. Générateur de gaz naturel. Il faudrait le métal raffiné. Là. Métal raffiné, hop. Ça serait bien qu'il le fasse aussi, accessoirement. Alors là, on définit la sortie. On va mettre priorité 8 pour ça, pour vraiment que ce soit fait le plus vite possible. Celle-là, on peut l'annuler. Ça aussi. Alors on a 17 000 kilocalories, ça augmente, ça pousse plutôt vite le millwood, donc c'est cool. On récupère rapidement de quoi manger. Et après je me ferai une espèce de petit canal là sur le côté pour venir remplir ma cuve. A priori j'ai pas de bactéries dans l'eau. Là, ni là, il n'y a rien du tout. S'il y en a un petit peu là. Peut-être que je désinfecte ça d'ailleurs. Alors, c'est peut-être le fait que l'eau soit directement en contact avec les matériaux naturels. Je sais pas trop d'où ça vient. Hop, pardon. Ça va m'arriver souvent. En priorité 7, on va creuser ça aussi, hein, qu'ils aient un accès plutôt de ce côté-là. Éviter de passer par là, ça m'évitera que la luciole s'en aille. Si je pouvais la garder, ce serait sympa la luciole, histoire de faire des choses de meilleure qualité en termes de nourriture. Là aussi j'en ai une, et j'ai même... Ouais, elle va baigner dans le dioxyde de carbone, donc ça, c'est pareil, j'aimerais bien la garder. Mais bon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, on va faire la base comme ça. Annuler ça. Priorité 6 là-dessus. Priorité 6 aussi là-dessus. Et 6 là-dessus. Voilà. Et ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai de dispo en dupliquant? Un bricoleur, c'est pas mal, mais flatulence, c'est juste pas possible. Cancre, science, on s'en fiche. C'est un athlète et un mineur. Ça, c'est pas mal du tout. Il est destructeur, par contre, au niveau du stress, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais en même temps, au niveau du stress, généralement, j'arrive plutôt à bien gérer, même si là, c'est un peu compliqué. Ouais, on va tenter ça. En même temps, là j'ai un toubib, soit un plus 2. Allez, j'ai poumon de plongeur, donc il consomme moins. Élève tôt, mais il fait que du soin, donc ça va pas être terrible. Là, athlétisme, c'est très bien. Je la prends. Allez, je la prends. Je la prends, on va lui attribuer un lit. Voilà. À 5 déjà, ça devrait aller un peu plus vite. Il commence à avoir déjà pas mal de boulot. J'ai tendance à accumuler un peu les ordres et les tâches. Et du coup, ça avance pas aussi vite que ce que je voudrais. Allez, j'aimerais surtout terminer ce bassin.
Et voir après comment je vais organiser la descente de l'eau. On fera quelque chose comme ça. Je vais faire un trou ici pour que ça coule ici. En même temps, ça j'ai pas besoin. Celui-là non plus. On va creuser ici. Et là, c'est ici que ça risque de boucher un peu, enfin, de stagner, on va dire. Alors, on en est où là? Ok, ils finissent le sol. Niveau température, on est limite là au niveau de la zone de chaleur, mais c'est pas trop grave. L'eau a du mal à chauffer. J'ai aussi de l'eau ici que je pourrais aussi utiliser. Les toilettes, c'est fait. Ah, j'ai dit que je voulais faire les douches aussi. Alors, les douches, les douches. Bah, les douches, je les ai déjà. Alors, où est-ce que c'est? Plomberie, douche. 4. On va essayer de les espacer un peu. Alors, annuler ça. On va mettre un petit peu de déco aussi, qu'ils ne soient pas trop déprimés. Voilà. Voilà. Au niveau des tâches, est-ce que j'ai un artiste? Pas vraiment. Pour l'instant, on va pas attribuer de tâches de déco. Elle a que deux. Il y a un. On faudrait un artiste en fait. Un artiste et un toubib. Ok, recherche. Toi, tu fais pas de recherche. Toi, tu fais éviter le bricolage. Une construction, construction. C'est pas trop grave ça. Alors, évidemment, il y en a un qui s'est coincé. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on met sur pause, priorité. Voilà. Alors, là, on est à peu près bon. On va annuler cette demande-là. On va refaire la dalle ici en urgence. On va la remonter ici aussi, priorité 9. Et on va faire notre trou ici. Alors, non. Annuler. Annuler ça. D'abord, on va tout ramasser. On va nettoyer. Et on va ramasser tout ce qui traîne, que ça pourrisse pas dans l'eau. Voilà. Normalement, j'ai de la place dans les compacts. Oui, d'ailleurs il ramasse rien du tout, c'est une catastrophe. Agriculture, fertilisant. Alors on va remettre tout sauf l'organique. Voilà. On va copier. Voilà. Là on est bon. Ce serait pas mal qu'ils ramassent un peu parce que là ils ont rien ramassé. Là, j'ai un peu peur pour la nourriture. Au niveau de la nourriture, le stockage est là. Il y a largement la place. On peut refaire un peu de rangement. Allez, je termine un peu le rangement. Le nettoyage de la base parce que là il y en a vraiment partout.
Et on se retrouve pour terminer le bassin tout de suite. Voilà, alors ils ont à peu près tout ramassé, donc du coup là j'ai fermé, on est à peu près bon, et on va mettre en priorité 8, voilà, on va faire ça, on va descendre jusqu'en bas au pire, bon ils vont être mouillés, ils vont pas trop aimer, mais pareil, c'est pas dramatique. Alors j'ai des nouveaux duplicants, on va regarder, il me fallait un artiste, ouf, là j'en ai un. Qui peut pas construire, mais à la limite c'est pas, bon, il fait que ça par contre, hein. J'ai un 12 en sprinter qui est narcoleptique, lui il est pas mal du tout, estomac d'acier, pied en or, ouais, 12 en athlée c'est déjà énorme, par contre il me fallait un artiste, alors est-ce que je le prends? On va attendre avant de le prendre. Il y a des choses un peu plus importantes à faire pour le moment. Alors j'ai prévu une table de massage pour les déstresser un petit peu. Même si là le stress recommence à tomber. Au niveau des recherches, filtre à gaz. Oui, il va falloir le faire. Filtre à liquide aussi. On va faire le filtre à gaz. Ça va être plutôt urgent aussi. Ok, donc c'est percé, l'eau tombe, alors l'eau a une physique un tout petit peu particulière, hein, parce qu'elle est, il n'y a pas une gravité de comme sur la Terre, donc des fois elle a une réaction un tout petit peu bizarre. Voilà, et du coup on va creuser tout ça, et tout ça. Et il faut que je me prévoie la descente de ce stock là. Alors, comment je vais me faire ça? On va mettre une priorité 6 là et là. Là du coup, il faudrait que je le fasse descendre par ici. Donc on va démolir. Ici. Ici. Non, on va creuser, pardon. Ok, recherche terminée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Tout ce qui est énergie, générateur hydrogène. Transfo, gros câble, ça on va faire rapidement. Fil conducteur aussi, générateur à gaz naturel, raffiné pétrole. Ça, le pétrole sera beaucoup plus tard. On va faire ça. Du coup, oui, ils n'ont plus accès ici. Si, ils ont accès là. Donc, on va prioriser ça. On va finir le bassin.
Voilà. On va mettre 8 ici, tout ça et ça, on va le mettre à 7. Alors on a dit qu'on coupait à peu près là. Ça aussi. Ça, on va l'annuler. On récupérera plus tard. Alors, on va creuser. Ok, le bassin est fini, on va ramasser également tout ce qu'il y a dedans. On va construire ça. On va mettre un sas ici. On va démolir ça. Ça. Et ça. Alors, est-ce qu'ils y ont accès? Là, oui. Pareil, on va prioriser. On va annuler cela. Ah, le stress va monter à vitesse grand V. Voilà, ils sont mouillés, ils détestent ça. Ils détestent ça, donc au bout d'un moment, on devrait aller table de massage. Voilà. Je suis en train d'augmenter à vitesse grand V toutes mes priorités. C'est pas très très, pas très très malin. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Niveau oxygène, on est large. Du coup, est-ce que je prendrais pas mon duplicant artiste? En même temps, c'est pas vraiment la priorité. L'artiste, lui, il est un peu de tout. Il ne peut pas construire. Allez, je le prends, ce sera fait. Tâche. Art, voilà, toi tu es un artiste, tu fais de l'art. Du coup, on va mettre des tableaux. Un peu partout, là où on peut. Pour décorer, là j'ai pas la place d'en mettre. Là, je peux en mettre un petit peu. Qui sont un peu plus détendus. Ok, mon trou est fait. On va détruire, construire là, ça. Parce que je sais pas ce qu'il y a là. Ah, c'est une d'accord, une luciole qui était coincée. Ok, tout ça, ça va être fermé, donc l'eau va descendre ici directement. Alors tout est fermé ici. Là, ça va être fermé par ça, donc ça c'est bon. Ok, et donc c'est parti. On va tout vider.
On va commencer à faire notre pompe. Pompe à liquide. Avec un tuyau. Alors, évidemment, j'ai les douches qui sont à l'opposé. Sinon, c'est pas drôle. Par où je remonte? Alors voilà, c'est en train de se vider. Ok, donc le plan a marché. Ça se vide petit à petit. Là, ça va être juste au niveau contenance. Et du coup, il faut que je me prévoie mon bassin d'eau polluée. Alors là, je vais être plein de germes. Voilà, je suis pétri de germes. J'aurais aimé éviter de les envoyer par là. Là, c'est pareil, il faudrait que je relie les deux là en fait. Tant pis, hein. De toute façon, il va falloir le faire donc. Voilà. Et on va se prévoir une évacuation ici. Voilà. Là par contre, pourquoi j'ai un lavabo? Je crois que j'ai pas mis le bon. Ah, c'est un évier qu'il faut que je mette, voilà, c'est ça. Donc lui, on va le démolir. Ok, niveau de l'eau, c'est bon, c'est fait, c'est vidé. On va nettoyer tout ça. Et on va nettoyer tout ça aussi. Ok. Ça déjà, c'est pas mal. On va faire la pompe en priorité. Alors, faudra pas que j'oublie de l'alimenter aussi électriquement. Faire les tuyaux. La salle de bain. Et évacuation. Voilà. Ça, c'est la priorité. Donc là, il va pouvoir y accéder. On va creuser. Voilà. Non, on va prévoir également l'électricité de la pompe. Alors, je me serais bien mis une batterie par ici, mais je suis juste en dessous des plantes. J'ai peur que ça chauffe un peu. Bon, en même temps, c'est qu'une batterie. Ouais, du coup, on va faire ça plutôt. On va annuler le fil et on va creuser ça. Là, j'avais dit que ce serait de la du stockage. Du coup, niveau oxygène, ça va à peu près.
Faire ça là. Batterie et roue. Voilà. Et câble. Voilà. De quoi alimenter notre pompe. Alors, ils sont en train de faire la salle de bain. On va pouvoir remettre un évier. Voilà, un vrai évier. Ok, c'est dodo. Métal, cuivre, on a 8 tonnes, c'est bon. Alt, 13 tonnes, c'est toujours bon. De la boue, de l'argile, on s'en fiche un peu. Agriculture, fertilisant, comestible, on a du macrot et du pou. En sachant qu'il y a encore tout ça qu'ils n'ont pas ramassé. On est quoi sur une priorité 7, on a 29 000 calories, on est toujours 6. Alors j'en ai Catalina qui est hyper stressée, ouais, elle est mouillée et crasseuse, donc il lui faut vraiment une douche. Mais c'est en cours. Priorité, ma priorité 5, œuvres d'art, hein. Pas vraiment d'urgence. On ne trouve pas. Ah ouais, niveau oxygène, on est ric-rac. Donc on va réactiver celui-là. Bah il était activé d'ailleurs. Alors c'est au niveau. Voilà, de la roue. Faut prioriser un peu la roue. Que ça manque pas d'énergie. Parce que c'est pas l'al qui nous manque, hein, on a 13 tonnes. Donc c'est juste l'énergie. Et là. Alors ça consomme aussi pas mal, ça a l'air de. Alors ça chauffe un peu aussi. Là ça commence à jaunir avec les batteries. On va faire attention. Alors ils sont en train de faire les tableaux. Donc on va prioriser tout ça. Voilà, allez, gaz. Alors, plomberie. Là, j'ai mon tuyau. Pareil, priorité 7. On va passer par là, et par là. Voilà. Tout connecté. Donc, les entrées blanches, c'est les entrées d'eau propre. Et les sorties, donc, sur les douches, sur les éviers, sur les toilettes, ce sont les sorties d'eau sale qui vont être évacuées, donc, ici. Voilà, et du coup, j'ai réuni les deux bassins. Pareil, on va creuser un peu pour agrandir. Tant qu'on peut. Même s'ils risquent de pas trop apprécier. Au niveau germe. Ah ouais, c'est un peu la cata. Va vite falloir des douches, vite. On va essayer de désinfecter tout ça déjà. Alors, recherche complète pour l'instant, je vais pas en lancer. Hein. On va vraiment accélérer là-dessus. Et c'est encore la nuit, c'est tout le temps la nuit. Pareil, je vais me faire une priorité 7 là-dessus pour le branchement parce que si j'ai de l'eau, il me faut l'électricité pour la pompe. Allez, en se mettant à 5 ou 6 dessus, ça devrait marcher. On va mettre un purificateur d'air ici. Parce que là, il y a beaucoup d'oxygène pollué, je voudrais éviter que ça rentre dans ma base.
Priorité 7. Lui, en attente de livraison. Pareil, priorité 7 aussi. Voilà. Ok. Ça avance bien. Alors, faut que je refasse ça. Ça, c'est bon. Mais quand ils s'y mettent, ça avance. Ok, les tuyaux, ça a l'air d'être branché. Pas de sortie de liquide. Ah. C'est bon. Non, pareil, l'évier dans un sens. Alors là, la batterie c'est bon. Priorité 7 là-dessus. Ok. Yeah, c'est parti. Donc là, ça pompe. Voilà. On récupère l'eau. Qui va alimenter tout ça? Ok. Donc c'est bon. C'est opérationnel. Donc ils vont pouvoir se doucher. Alors au niveau oxygène, on est juste hein. On est vraiment juste. Qu'est-ce qu'on produit? Voyons voir. Sur la journée d'hier, si on a plus 35 kilos. Donc sur la journée d'hier, c'était bon. Sur le dernier cycle, parle plutôt que la journée d'hier. L'évacuation, c'est bon. On va ramasser ça. Ce qui est dégueu. Bon, là ils en sont à la déco. Là forcément j'ai plus d'eau. On va démolir ça. Et on va mettre la fontaine à bras. Ici. On va démolir ça. Ah, j'ai tout coupé, pardon. J'ai tout coupé, je crois. Ouais. Ça, faut faire attention. Quand on détruit... Quand on choisit de démolir, faut toujours mettre ce qu'on veut démolir, parce que sinon on détruit tout d'un coup. Là, j'ai mis tout, et du coup, j'ai démoli la fontaine, le câble électrique et le tuyau d'eau. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Voilà, on rétablit tout. Ok. On a de l'eau. Donc la pompe ne pompera que quand il y a besoin. Donc là, par exemple, pour les douches. Voilà. Depuis le temps qu'il l'attendait. Douche et toilette, c'est bon. On va ramasser tout ce qui traîne là. Pareil, c'est un peu dégueu. Au niveau oxygène, ouais, ça va mieux. Alors, on va mettre ici. On va laisser ouvert. Je pense qu'on va laisser ouvert. Il y a le purificateur d'air là qui est là, donc ça gênera pas trop. On va finir d'enlever ça. Et au niveau déco, bah déco, ça commence à venir. Là, j'ai un joli tableau. Là, ça va mieux aussi. Les chambres, ça va venir. Là aussi, là aussi. Là, je sais pas trop ce que je vais mettre. Niveau nourriture, 19 000 kilocalories. On est pas mal, sachant qu'il y a tout ça à ramasser. Oxygène, on a vu que ça remonte. Donc là, j'ai un déficit, mais... Alors, porte priorité 9. Voilà. Donc, on voit que les particules d'oxygène rentrent.
Voilà, ça va s'oxygéner petit à petit. Alors, pareil, c'est pour ça que je suis en manque d'oxygène à chaque fois, parce que j'étais en priorité 5 sur l'oxidizer, donc ils amènent de l'algue que quand ils ont le temps, au final, et en l'occurrence, c'était pas assez souvent. On va ramasser tout ça aussi. Il y en a deux, ça traîne de partout, quoi. C'est juste horrible. Je sais pas pourquoi ils ramassent pas. Donc là, on va commencer à être plein aussi. On va anticiper un peu. On va se refaire une série de stockages. Alors c'est pareil, parce que priorités sont à 5, donc leur priorité pour ranger et pour ramasser les matériaux est de 5. Donc comme ils ont toujours plein d'autres choses à faire, c'est un peu compliqué. Ok, donc oxygène ça remonte. Par contre j'ai perdu mes lucioles. Ah bah elles sont parties en bas, d'accord. Elles sont parties en bas. Donc là on est plein de dioxyde de carbone. Ok, donc les douches c'est bon. Les toilettes c'est bon. Mais écoutez, je pense qu'on est pas mal là pour cet épisode. Hein, on a bien avancé, on a récupéré toute l'eau qui était là-haut pour la mettre ici, pour avoir un vrai grand réservoir. Il faudra que je fasse attention ici. Ça risque... Bon, j'ai qu'un kilo. Niveau pression, ça a l'air d'aller, je pense. Des fois, quand vous avez un grand vide ici et qu'il y a beaucoup d'eau au-dessus, ça peut casser. Donc là, ça serait vraiment la catastrophe si jamais ça casse. On a une base ici. Donc qui est préexistante, on va dire. L'évacuation c'est géré aussi, les toilettes c'est géré, la douche c'est bon. Donc on va maintenant s'occuper de notre principal accès à l'oxygène. On va faire notre petit poumon. On va faire ça, je pense, rapidement, parce que l'algue ça va bien aller 2 minutes. Et on va se faire ça par là, je pense, au milieu, ici, par là en bas. Alors c'est tout un setup un peu compliqué à mettre en place, mais normalement une fois que c'est fait, j'ai plus de problème d'oxygène pendant au moins, enfin jusqu'à maintenant, en cycle 300, j'ai toujours pas de problème, donc et ça demande pas énormément d'énergie, un petit peu, mais ça en produit aussi. Le but du jeu, ça va être surtout de récupérer. De trouver à un moment ou un autre, va falloir partir en exploration. Déjà, on peut se prévoir ça, leur donner des ordres, même s'ils le font pas tout de suite, au moins c'est préparé. Voilà, récupérer tout ça. Ça, c'est quoi? C'est du charbon, on va le prendre aussi. Tout ça. Ça, ça et le charbon, voilà. Et du coup, on va partir peut-être un peu en exploration. Il faudrait que je trouve un biome plutôt froid. Là, on est plutôt sur du chaud. Là, j'ai quoi? Un geyser de chlore. Alors, le chlore, j'arrive pas trop à l'utiliser pour le moment. Là, j'ai de la vapeur. D'accord. Là, j'arrive au bord de la carte. Surtout, j'ai des germes là, de ce côté-là. Donc, faut que je monte pour aller explorer. Là, j'ai de l'hydrogène. Ça serait bien que je trouve un geyser d'hydrogène ou de gaz naturel. Généralement, ils sont un peu planqués. Là, je pense pas les trouver tout de suite. Mais bon, on fera 100 pour le moment. On est cycle 27. Matin du 28, peut-être. Voilà. Matin du 28, je mets sur pause et puis bah, écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette aventure sur Oxygen Not Included. Allez, à la prochaine, ciao ciao ciao.